voyez comme moi, c'est vert, la vigne est magnifique, feuillage splendide, de la hauteur de rameaux. Et ça, c'est grâce à cette pluie qu'on a eue il y a une quinzaine de jours. Et on a l'impression que ça nous a sauvé nos vignes. Et regardez, c'est en fleurs. On est toujours dans ces jeunes grenaches qui sont la base du petit closier rouge. Je vous rappelle, ce petit glouglou, vin de soif qu'on met au frais l'été, un peu de charcuterie, un petit barbecue, le vin de copains et des beaux jours par excellence, à consommer sans modération bien sûr. Alors, pour les plus sérieux, on a la gamme Leclos. Leclos rouge, c'est un grenache suave, au tanin tout soyeux, de la gourmandise, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Et en blanc, Leclos blanc, grosse dominante de Vermentino, de la fraîcheur, de la convivialité, une fin de bouche ultra salivante, à boire également toute l'année. Vous l'avez compris, en ce moment on est heureux et surtout rassurés. Les vignes vont bien, sont en bonne santé. À ce jour, tous les indicateurs sont ouverts pour le millésime 2024 et Dieu sait qu'on s'est inquiété depuis 2 ans. À bientôt !